Bonjour à tous. Donc, c'est un plaisir de poursuivre notre série de webinaires sur les grands domaines d'application de l'IA. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir Egül Epimakova, j'espère que je n'ai pas trop écorné le nom, Egül, qui à la fois enseignante, elle est académicienne, elle est universitaire, enseignante, mais aussi industrielle, et qui avait l'année dernière fait le master BR en ligne, IBR, et qui avait pris le stage proposé par Google sur le vignoble numérique. Et ce stage était suffisamment révélateur de l'intérêt de ce grand domaine d'application de l'IA, cette rencontre entre les outils de l'intelligence artificielle et de l'agriculture dite numérique de demain. Et pas simplement pour les très grandes exploitations, mais aussi pour les toutes petites, parce que les investissements sont très réduits. Et donc, c'est tout cet écosystème qu'Aigul a bien étudié l'année dernière. Et elle vient partager avec nous à travers le webinaire son expérience à la fois concrète sur un projet et sur ce champ d'application qui est très important pour nous dans le cadre du Master BR, puisqu'on a déposé un très grand projet Erasmus+, avec deux pays africains, deux pays d'Amérique latine et des départements d'agronomie pour développer cette thématique de l'agriculture numérique autour de. Et puis, vous voyez, elle a aussi, vous le verrez dans sa présentation, à la fin de son stage, mais par curiosité intellectuelle, regardez comment ChatGPT pouvait être un outil. Un outil pour celui qui a un projet à résoudre. Et c'était intéressant, je pense, d'un point de vue pédagogique, qu'elle nous fasse aussi cette extension. Donc, Egul, c'est avec un très grand, pardon, c'est avec un très grand plaisir que je vais te donner la parole, je vais t'écouter attentivement et je participerai au jeu de questions-réponses à la fin avec toi. Et je rappelle pour aussi ceux qui nous rejoignent que deux autres webinaires sont planifiés après les week-ends du mois de mai, le 2 mai et le 8 mai, sur respectivement l'IA et le marketing et l'IA et l'éducation. Et puis les autres webinaires précédents sont tous en ligne disponibles sur le site de Datum Academy avec les PDF et les vidéos. Donc vous pouvez à tout moment revoir un webinaire. Ils sont open, ils sont gratuits. À très vite, avec plaisir, et à toi, Hugues. Merci Serge. Bonjour à tous. Je m'appelle Egül Epimakova et je voudrais vous présenter le résultat de stage que j'ai réalisé il y a un an au Data Lab de l'ISTIA. Aujourd'hui, les Internet des objets IoT sont utilisés dans tous les aspects de notre vie. La santé, la domotique, l'automobile, la ville intelligente et donc, c'est logique que IoT trouve son application dans l'agriculture aussi. Selon les estimations de l'OMS, Organisation mondiale de la santé, il faut produire 70% de nourriture en plus à l'horizon 2050. Les technologies IoT peuvent réduire la consommation d'eau via une gestion plus automatisée. Les solutions IoT peuvent aider les agriculteurs à combler l'écart entre l'offre et la demande, en améliorant les rendements et la rentabilité avec un impact positif sur l'environnement. La problématique que n'existe pas l'architecture standard unique pour les systèmes IoT. Avec les protocoles verts et à prix réduit et accessible aux petites fermes, par exemple. Les tâches qui me sont proposées par professeur Serge Miranda sont les suivantes. Faire un état de l'art IoT pour l'agriculture numérique. Proposer une architecture open source de Data Lake, multisource SQL, NoSQL. Faire une analyse deep learning des images de maladies de vignes,
recevoir les données des capteurs en temps réel et faire une analyse prédictive à l'aide de l'IA et proposer une architecture open source de système IoT pour une ferme pilote. L'architecture IoT la plus basique et la plus largement acceptée est l'architecture à cinq couches. Couche de perception, couche réseau, couche de traitement de données, couche applicative et couche de sécurité qui traverse toutes les quatre couches précédentes. Couche de perception est responsable de convertir des signaux analogiques en données numériques et vice-versa, c'est-à-dire comme un pont entre les mondes réels et numériques. Par fonction, les objets IoT, on peut diviser en capteurs et actionneurs. Capteur collecte des paramètres physiques et les transforme en signaux électriques pour le système IoT. Actionneurs traduisent les signaux électriques du système IoT en actions physiques. Les types de capteurs qui sont principalement utilisés dans les systèmes l'agriculture numérique sont présentés dans le tableau. Capteur au sol, capteur d'humidité, capteur d'humidité sont utilisés pour mesurer l'humidité et température de l'environnement, du sol, de feuilles. Capteurs électrochimiques ont les électrodes qui détectent ions spécifiques dans le sol. Station météo mesure diverses données, telles que le débit d'air, la précipitation saisonnière, la vitesse du vent, etc. Et capteurs UAV, c'est-à-dire drones. Les capteurs optiques sont généralement intégrés dans les UAV. Ils utilisent la lumière, information de réflexion, pour mesurer les caractéristiques variables du sol et de la végétation. Capteurs de localisation utilisent des signaux de satellite GPS pour déterminer la latitude, la longitude et l'altitude. Et il y a aussi les capteurs bio et nanocapteurs. Pourquoi on utilise? Ils sont électrochimiques. Les agriculteurs utilisent des engrais chimiques pour augmenter les rendements. Et en particulier, les producteurs de légumes utilisent souvent les pesticides nocifs qui présentent de graves risques pour notre santé. Un autre problème important est la persistance des métaux lourds, notamment le cadmium, le mercure, le cuivre, le zinc, le nickel, le chrome, car ils sont responsables de dommages importants et à long terme sur divers systèmes biotiques et biologiques de l'organisme au niveau cellulaire. De manière générale, les drones permettent de récupérer des données d'imagerie sur une récolte et d'éviter la propagation des maladies dans les cultures. Mais nous pouvons utiliser les drones comme capteurs et comme actionnaires. Ces appareils permettent également d'effectuer un large panel de tâches qui exigeait auparavant une participation humaine. Par exemple, pour la plantation de cultures, la pulvérisation et la lutte contre les ravageurs et désinfection. Les communications entre les appareils et les services cloud et les passerelles impliquent différentes technologies. Voilà les réseaux les plus utilisés par IoT.
Vous pouvez faire attention que c'est 3, 4, 5G, Bluetooth, Wi-Fi, Sigfox qui est très connu en France. Sur le graphique, ces technologies sont classées selon les intervalles débit et consommation d'énergie. La logique de serveur peut être mise en œuvre de différentes manières. Implémentation d'une logique de serveur pour le traitement des requêtes d'appareils finaux sur une plateforme cloud. Les machines virtuelles et les serveurs réels constituent une autre option pour organiser la logique de serveur et réaliser des analyses de données. Actuellement, les applications peuvent être construites directement sur les plateformes IoT qui offrent une infrastructure de développement logiciel avec des outils prêts à l'emploi pour l'exploration, analyse et visualisation de données. Sinon, les applications IoT utilisent des API pour s'intégrer à la couche de traitement de données. La présence de logiciels malveillants et de vol de données est un risque dans pratiquement tous les types de systèmes connectés. Et l'agriculture numérique ne fait pas une exception. Cet article propose le blockchain IoT sensor qui peut participer en tant que mineur dans le réseau blockchain par le biais de smart contrats et résoudre les problèmes de sécurité liés à l'intégralité et à la traçabilité des données, garantissant ainsi la participation à la vérification des données dans le processus de certification alimentaire. À la suite de cet examen, nous avons constaté plusieurs problèmes. Problème de comptabilité. Les différents outils et plateformes IoT agricoles ne suivent pas toujours les mêmes normes technologiques. Si vous voulez utiliser les drones, vous devez respecter strictement la réglementation française en vigueur. Et connectivité des zones rurales. Une connectivité Internet n'est pas solide et faible. Parfois, dans les zones rurales. Première solution n'est pas simple. Et c'est pourquoi nous avons décidé de contacter avec différents fabricants de capteurs et de drones. L'agriculture numérique et concevoir un propre système de collecte, de stockage et d'analyse des données. Synafis, c'est un partenaire de BR Estia actuel et le capteur de Synafis intègre un module de communication au réseau français Sigfox qui couvre 94% du territoire national. Notre défi était de proposer une architecture open source et low cost de data lake multisource SQL NoSQL pour les données provenant de différentes sources. Capteurs Synafis, dans notre cas, drones, satellites, Internet. Capteurs Synafis mesure l'humidité et la température de l'air, de feuilles, et de sol à deux profondeurs différentes pour contrôler l'irrigation racinaire. Les données historiques des capteurs Synafis ont été fournies par la CAF de la Bastide. Nous avons utilisé les données de l'année 2019. La plupart des données présentées sur
Synessence Smart Agri sont accessibles par un web service API. Il était prévu d'accéder aux données historiques des drones par le reflet du monde agrodrone. Malheureusement, l'agrodrone ne dispose pas de données historiques, mais on a dit que les photos et vidéos sont stockées sur une carte SD. Cette info est très utile pour réaliser l'architecture du système IoT. Et c'est pourquoi nous avons décidé d'utiliser les données provenant du site web Kaggle. Il est intéressant d'examiner les différentes possibilités de stockage de données open source et low cost. Hadoop, Cassandra, ClickHouse, Google Drive. Hadoop est un écosystème d'outils qui élargit ses mais ce n'est pas facile à gérer parce qu'il est difficile de conserver les outils open source à jour et de les faire fonctionner ensemble. Cassandra, c'est un système de gestion de bases de données distribuées pour le traitement de très grandes quantités de données structurées, non structurées et semi-structurées. Il utilise son propre langage SQL qui est un peu différent de SQL classique et ne supporte pas les jointures et les sous-requêtes. Contrairement aux autres, ClickHouse est écrit en C++ qui explique ses performances. ClickHouse est un système de gestion de bases de données orienté colon pour le traitement analytique de requêtes en ligne, OLAP. ClickHouse a la capacité à stocker et traiter plusieurs pétaoctets de données. Il a la capacité à effectuer des calculs très rapides avec des résultats instantanés. Google Drive, ce n'est pas un système de stockage de bases de données, de gestion de bases de données, mais c'est un outil formidable pour travailler en ligne, à distance et en collaboration. Il suffit d'avoir un compte Gmail pour y accéder. Google fournit gratuitement 15 gigaoctets de stockage en nuage. Si vous avez besoin de plus d'espace de stockage, Google vous propose des options. Donc, nous proposons stocker les données structurées dans ClickHouse, données semi-structurées dans ClickHouse ou Cassandra, données non structurées dans Google Drive, Cassandra ou Hadoop HDFS, qui est supporté par ClickHouse et Cassandra. Dans notre projet, nous avons utilisé ClickHouse pour stocker et traiter les données de capture Synapse et Google Drive pour stocker des photos. Après avoir choisi l'architecture de Data Lake, nous avons décidé de développer une architecture open source de système IoT pour une parcelle dans Vignoble. Comme indiqué avant, les données peuvent provenir de différentes sources. Capteurs de Synapse, drones, satellites, Internet. Les données de capture de Synapse sont accessibles par un web service API par programmation. Cet API utilise le protocole HTTPS et permet de s'interfacer avec les divers logiciels et langages de programmation. La documentation API Synessence Smart Agri version 2 précise que l'API ne doit pas utiliser plus qu'une fois par heure. Et il est donc nécessaire d'implémenter un script shell pour télécharger les données sur ClickHouse une fois par heure en mode temps réel. Les données provenant d'Internet et de satellites utilisent généralement aussi le protocole HTTPS
et aussi on peut les traiter de la même manière que les données de capture Synapis. À l'aide de script shell, les données non structurées peuvent être récupérées de la carte SD, archivées et déplacées vers Google Drive. Les données de LAC sont facilement accessibles pour l'analyse et le machine learning avec différents langages de programmation comme R ou Python et divers environnements de développement comme Jupyter Notebook, Google Colab, Visual Studio Code. Et après, on peut appliquer la technologie blockchain pour la sécurité et traçabilité des données. Nous avons utilisé le dataset du site Kaggle avec les photos de feuilles malades, trois types de maladies, pourriture noire, rougeole noire, taches polaires, dysrhepsis et feuilles saines. Pour distinguer les feuilles saines et les feuilles malades et identifier les types de maladies, on a essayé trois modèles de machine learning basés sur la bibliothèque TensorFlow. Modèle standard CNN, modèle basé sur le modèle Exception et modèle basé sur le modèle MobileNet version 2. En 2017, François Chollet, chercheur chez Google, auteur et développeur du framework Keras, a proposé modèle Exception, convolution séparable en profondeur. Exception est une architecture efficace où les filtres de convolution standard sont remplacés par deux couches, convolution en profondeur et convolution ponctuelle. La convolution en profondeur applique un filtre à chaque canal d'entrée, par exemple RGB. La convolution ponctuelle applique ensuite une convolution en surrang pour réunir les sorties de la convolution en profondeur. Les convolutions séparables en profondeur sont des alternatives aux convolutions classiques, mais sont beaucoup plus efficaces en termes de temps de calcul. La même année, 2017, Google a ajouté l'architecture MobileNet à TensorFlow en utilisant des principes similaires à Exception pour rendre les modèles encore plus petits. Ces modèles sont adaptés à l'exécution de tâches de vision directement sur le téléphone portable ou des appareils IoT disposant de réserves de mémoire limitées et d'un processeur faible, ce qui est très intéressant pour, c'est intéressant pour notre projet. Aujourd'hui, les tâches de détection d'objets en temps réel sont pertinentes. Les deux détecteurs utilisent des réseaux neuronaux CNN, convolutionnels, pour détecter les objets. Ils sont les détecteurs à une étape. Les facteurs déterminants d'un fonctionnement en temps réel, sans interruption, c'est la vitesse et la précision. YOLO offre une précision supérieure, mais nécessite plus de ressources de calcul. Et MobileNet SSD, si la vitesse est importante, mais les ressources de calcul sont limitées. Dans notre cas, le modèle basé sur le modèle MobileNet version 2 a montré le meilleur résultat en termes de précision de prédiction et de vitesse de calcul. Cette analyse est très importante pour le diagnostic précoce des maladies de Vignoble et pour une action préventive opportune. Un détecteur d'objets MobileNet SSD ou YOLO peut alors être appliqué. Chacun de ces modèles possède ses propres caractéristiques et connaît le succès
dans ces applications respectives. Voilà l'extrait des données de capture Synaphis avec les paramètres suivants. Température et humidité de l'air, la température de l'humidité du sol et température et l'humidité de feuilles. Aussi, nous avons utilisé les données météorologiques d'Albi pour l'année 2019. Principalement, nous avons utilisé la température maximale et minimale de la journée, vitesse maximale du vent, précipitation totale de la journée et humidité maximale pour prédire l'humidité pour 7 jours. Nous avons décidé de collecter les données sur le rendement du raisin pour tous les pays européens de 1961 à 2020 en utilisant les données des sites Fallstat et World Bank Group. Voilà les valeurs réelles et valeurs prédites que nous avons développées. Comme un test, nous avons réalisé une partie de notre architecture de système IoT. Nous avons installé Ubuntu sur machine virtuelle et dedans installé le ClickHouse et Jupyter Notebook. Par le client de ligne de commande de ClickHouse, on a créé une base de données stash. Un script shell a été créé afin de télécharger les données en temps réel une fois par heure. Et les données primaires sont ensuite formatées en données finales dans la table stage sensor data. Voilà. Les données météorologiques d'Albi ont été importées de manière similaire. Et les données de tableaux ont été utilisées pour analyser les données de capture et prédire l'humidité du sol pour 7 jours. Le code a été implémenté dans Jupyter Notebook. Pour se connecter à la base de données ClickHouse, il faut importer le client de la bibliothèque ClickHouse Driver, indiquer les paramètres requis pour la connexion. Et cela permettra de récupérer les données par une requête. Et ces données, nous avons utilisées pour prédire l'humidité du sol, comme j'ai déjà dit, pour 7 jours. Voilà le graphique. Ici, vous pouvez voir les valeurs réelles en bleu qui sont provenues de capteur Synaphis et les valeurs prédites en orange. Les photos, comme peut-être vous avez fait attention avant, les données de photos sont divisées en données de training et en données de test, de validation, avec un ratio de 80% et 20% respectivement. On a appliqué le modèle basé sur le modèle exception et modèle web mobile net version 2. Voilà le résultat qui s'affiche dans Google Colab. C'est la photo de feuille avec le nom de maladie. Les photos de résultats sont enregistrées dans un dossier sur Google Drive. Et après, nous avons indiqué les liens vers les photos enregistrées. Et résultats qui sont enregistrés dans DataFrame,
on peut pousser vers un fichier CSV ou directement vers la table de base de données ClickHouse. Le projet a atteint les objectifs suivants en décembre 2022. C'est l'étude de l'état actuel de IoT agriculture numérique, définition d'une architecture open source de Data Lake, multisource SQL NoSQL, et une architecture open source de système IoT. Et une partie de cette architecture a été mise en œuvre. À l'avenir, ces données pourront être utilisées pour développer les applications web et mobile. Et il sera utile de faire une application de détecteur Mobile Net SSD ou YOLO. Et la technologie blockchain peut également être appliquée pour garantir la sécurité et la traçabilité des données. Je ne connaissais pas ChatGPT quand je faisais mon stage. Et alors, c'était intéressant. Après ChatGPT 4 et participer avec vous. Alors, comme peut-être vous savez, on peut poser des questions en anglais, en français, en différentes langues. Et voilà, ChatGPT, il a proposé chercher des capteurs qui existent dans le magasin online comme Amazon, AliExpress, eBay, et après utiliser open source cloud base de données en cloud comme InfluxDB ou TimescaleDB. Et je voudrais dire que ChatGPT, il est plus intelligent. Il a proposé à communiquer avec les différents fournisseurs locaux ou européens de capteurs. Il a conseillé à utiliser les technologies de Raven et Sigfox, qui sont disponibles pour la France. Et aussi, il a proposé d'utiliser les cloud, OVH Cloud ou Scaleway, pour assurer une meilleure conformité avec les droits, avec la protection des données. Je trouve que le conseil de ChatGPT est plus intéressant. Aussi, j'ai posé des questions. Peut-on faire une analyse comparative des prix de capture sur les sites de vente en ligne? Il a dit que c'est impossible parce que les données sont limitées jusqu'à septembre 2021. Mais quand même, il m'a montré le prix. Il a précisé que je dois visiter les boutiques en ligne pour faire la comparaison par moi-même. Starlink. J'ai dit que je ne vois pas Starlink dans ton architecture. Pourquoi? Et il a dit que Starlink, c'est pas
C'est un peu cher. ça dépend du budget. Mais c'est une architecture, c'est une technologie très bien. C'est Starlink de satellite des orbites bas. Et il a dit qu'il faut être attentif et réfléchir bien avant d'utiliser Starlink. Voilà des avantages de ChatGPT. Il a proposé une bonne architecture open source et low cost. Il a fait une bonne analyse comparative des différents stockages de données. La réponse comprend toujours une brève description des concepts concernés et peut inclure des instructions sur la manière d'utiliser la technologie proposée. C'est bien, c'est vraiment bien. Et donne les conseils utiles et en garde des utilisations de la technologie demandée, par exemple la blockchain. J'ai posé la question par rapport à la blockchain. Peut-on utiliser la blockchain? Il a dit oui, bien sûr. Mais il a précisé que cette technologie est assez complexe. En convient, ChatGPT, il y a parfois une ambiguïté dans la définition. Qualifier Python de plateforme open source dans un cas et de logiciel open source dans autre cas. Cette situation n'est pas arrivée avec GPT-Chat 4. Et vous devez vérifier tous les liens et les paramètres techniques qu'il propose. Aussi, quand il a fait analyse comparative des prix de capteurs, il n'a pas précisé la question importante de délai de livraison. Parce que parfois, la livraison de AliExpress et eBay prend beaucoup de temps, 1 à 2 mois. Je trouve, en tout cas, je trouve que ChatGPT est un outil très utile. Cependant, je conseille d'avoir une idée générale du sujet de la discussion pour estimer la qualité de la réponse. Peut être difficile d'étudier un domaine de recherche à partir de zéro avec ChatGPT, car c'est difficile d'évaluer les aspects à clarifier et difficile de formuler des questions pertinentes. Mais il y a des livres, Serge qui m'a conseillé un livre intéressant, comment on peut, il faut apprendre comment tu peux discuter avec ChatGPT, comment tu peux améliorer la discussion avec lui. Et c'est tout. Merci à votre attention. Merci beaucoup, Gül. Merci, Gül. Professeur Miranda, si vous voulez... Avec plaisir. Oui, d'abord, je te remercie, Gül, malgré ces difficultés. Tu as bien su finir, présenter. Et on a... Enfin, moi, personnellement, j'ai toujours des questions quand je t'écoute et ou envie de continuer sur ChatGPT. Tu as fait deux remarques. On aura l'occasion dans les deux prochains webinaires d'en reparler. On travaille même sur un MOOC, comme je l'ai dit, avec une dizaine de profs d'université pour montrer comment ChatGPT peut être un assistant numérique très utile pour l'enseignement, quel que soit le langage en informatique, quel que soit le projet que l'on conduit. Tu en as montré une utilisation très pratique. On voit que dans le rôle de chef de projet demain, Camille Salinesi nous l'avait montré aussi d'un point de vue plus conceptuel. Toi, d'un point de vue très pratique, ben, on a un outil supplémentaire qui est arrivé. Et la remarque que je voulais faire sur ChatGPT, elle a été faite
hier ou avant-hier, quand j'en faisais une présentation de table ronde discussion, les gens qui me connaissent savent que je suis spécialiste de base de données. Les données sont les données brutes qui existent, produites par des capteurs qui existent sur le web. Et j'ai insisté toujours au tout début de mon cours sur la distinction données, information, connaissance. Données, c'est les données brutes. Qu'est-ce qui se passe? L'information, c'est tout ce que je vais dériver des données qui existent. Et d'ailleurs, le terme latin pour données, c'est data. Le terme latin pour information idéale, c'est l'inverse de data, c'est capta, qui veut dire capter. Qu'est-ce que je vais capter d'un ensemble de données? Et puis, la connaissance, c'est la maîtrise. Vous voyez qu'il y a trois biens niveaux autour du concept de données, d'informations, de connaissances, trois niveaux, j'allais dire poupées russes, matrioshka, d'appréhension du monde et de maîtrise du monde. Si vous voulez prendre un exemple très simple, les données, c'est un lexique. Je veux traduire dans une langue, par exemple, en russe, pour toi, Egul, je peux mettre une suite de mots, une phrase, et j'ai l'information, hein, grâce à DeepL ou Google Translate, je vais avoir la traduction du mot. Pourtant, je n'ai pas de connaissances, je ne maîtrise pas le russe. Donc, on voit bien que ces trois niveaux-là, données, informations, connaissances. Pourquoi j'insiste là-dessus? C'est que ChatGPT inaugure une nouvelle ère du web. C'est l'ère des bases d'informations, c'est-à-dire les synthèses qui peuvent être obtenues à l'aide de N sites web que d'habitude l'utilisateur, qu'il soit étudiant ou industriel, va faire. Mais c'est ChatGPT qui fait la synthèse, qui fait un peu l'état de l'art. Donc là, on est dans une nouvelle ère totalement disruptive du web où comment s'appelle l'univers data devient un univers d'information. On est passé de base de données aux bases d'information. Et deuxièmement, tu as bien insisté aussi à la fin sur la qualité de la question. J'y reviendrai lors du dernier webinaire en appui de Kauter. Je donnerai pour moi trois clés de l'enseignement numérique du futur. Et les clés, c'est qu'il y a un véritable basculement, ce sera mon dernier mot, et je vous le dis un peu en préambule, de l'éducation depuis le Moyen-Âge où on était dans l'univers, dans l'ère de la réponse, c'est-à-dire que un chef de projet, un étudiant, doit construire des réponses à partir de problèmes posés par le prof qui va l'aider à construire, à faire sa synthèse. Mais c'est fini. On bascule de cette ère de la réponse en termes d'éducation à l'ère de la question. C'est-à-dire qu'il va savoir, alors dans le mot, l'univers de ChatGPT s'appelle le prompt. Donc dans l'univers du prompt, dans l'univers de la question, plus votre question sera sémantiquement riche, plus ChatGPT va vous donner des réponses performantes ou en tout cas à valeur ajoutée très forte. Vous pouvez les critiquer, ça c'est notre débat, mais pensez à ça, qu'il y a un basculement dans l'éducation du monde, et tu l'as bien montré dans tes questions avantages et inconvénients, posez bien les questions, posez bien les questions, on est prompté bien. Un basculement de l'ère de la réponse à l'ère de la question. Ce sera mon dernier mot sur le triptyque de l'enseignement numérique du futur. Mais en tout cas, voilà, c'est un petit commentaire complémentaire de ce que tu viens de dire sur ChatGPT. Et je te remercie d'avoir fait cet effort, a posteriori, de voir comment ce genre d'outil peut être utile au chef de projet que tu as été dans ce projet avec Google. Voilà, je te laisse la parole, Michkette, pour d'autres questions qui ont pu être posées. Effectivement, je laisse... merci. Merci beaucoup, Serge. Donc oui, effectivement, on a quelques questions. Alors, on a Malika qui demande de quelles normes technologiques parlez-vous quand vous dites que les plateformes IoT ne suivent pas les mêmes normes? Alors, il y a les différentes plateformes IoT. Ils sont implémentés aux États-Unis, en Russie, en Europe, et les standards sont différents. Vous ne pouvez pas utiliser les mêmes capteurs. Si vous prendrez le capteur de Synaffis, vous devez adapter votre solution en utilisant des API de Synaffis. Si vous utilisez le capteur d'autres fournisseurs, il faut étudier que c'est autre API
et ça ne convient pas de, pour notre architecture, alors il faut reconstruire cette architecture et cette solution adaptée au cet capteur, au ce capteur. Voilà. Merci. Merci beaucoup. On a une autre question de Pierre. ChatGPT s'adresse-t-il à des spécialistes pour pouvoir exploiter correctement cette IA afin de pouvoir poser les bonnes questions? Oui, c'est une question très intéressante. Alors, j'ai essayé à prédire une chose. J'ai posé des questions. Est-ce que tu peux me construire l'algorithme en Python, le code en Python, pour prédire une chose? Et il m'a construit. Et ça marchait. C'était une petite chose, mais c'était intéressant. Il peut faire, je pense, les tâches simples, mais plus dures pour traiter les vidéos, les photos, etc. Ça je ne pense pas que c'est... Ça sera bien. Ce sera bien fait par lui. Ok, super, merci. On a une autre question de Océ Dakar qui demande, est-ce que l'agroécologie et l'IA sont compatibles? Moi, je suis sur un projet arboricole. Que me suggérez-vous pour utiliser IoT dans ce domaine? Il parle de influence de écologique, de climat écologique, de climat, réchauffement de climat, etc. Je n'ai pas compris. Certainement. Oui, alors on va demander à Océ Dakar de, si vous pouvez, s'il vous plaît, préciser votre question. Entre-temps, on a une question de Days qui demande, peut-on spécialiser ChatGPT dans un domaine particulier? Dans le domaine particulier, utiliser le ChatGPT, oui, bien sûr. Vous utilisez dans les différents domaines. Vous pouvez poser les questions de domaine de droit. Il répond bien. Et aussi de techniques d'implémenter un code, c'est bien aussi. Il comprend tout. Ok. Et Thaïs avait aussi dit dans le chat, un peu au début, je suis étudiant en master de systèmes d'information et réseaux informatiques à l'université d'Abomey-Calavi. Je suis intéressée par l'utilisation de l'IoT et de l'IA dans le domaine agricole. J'aimerais savoir si vous proposez des co-directions suivies pour des sujets de mémoire de master. C'est question à Serge, je pense plutôt. Oui, Serge, je pense que c'est toi. Non, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question que les étudiants nous posent souvent. Bon, nous-mêmes, on est responsables, comme vous l'avez vu, puisque Gül en est l'exemple type de master que l'on conduit. Disons que par réflexe académique, et ça fait partie du métier de tout enseignant, je répondrai oui, même à titre personnel, de superviser un travail. Le mot de co-diriger est important. Il y a un directeur principal, mais d'être un superviseur supplémentaire du projet, je l'ai été dans toutes les disciplines liées au numérique et dans tous les cas d'application. Comme l'agriculture nous intéresse, ben je vous réponds oui. Hein. Et si ce n'est pas moi, je trouverai un étudiant autour de moi qui sera ravi de superviser ce travail-là. Donc, la réponse est définitivement oui, avec plaisir d'un point de vue académique. Super, merci. Et du coup, Océ Dakar a un peu plus précisé sa question. Du coup, je vais essayer de la reformuler. Est-ce que l'agriculture écologique et l'IA sont compatibles? Que me suggérez-vous pour utiliser IoT dans ce domaine? Alors, IoT, appliquer les IoT et IA dans le domaine agriculture, c'est très important parce que c'est à cause du réchauffement climatique, ça arrive à avoir moins de terres arables et l'eau douce. Et alors, c'est IA qui peut nous aider. À économiser et utiliser et optimiser l'utilisation de
et de la terre et avoir le résultat, le rendement, de bonne qualité, de bon niveau. Ok, super, merci. Donc, je pense qu'on arrive à la fin de ce webinaire. Donc, merci beaucoup, Egul Epimakova, pardon, de nous avoir fait l'honneur de votre présence. Ah, non, on a une autre question, pardon. On ne va pas tout de suite clôturer. On a une question de Théo Jules qui demande, a-t-on aujourd'hui des usages de l'IA en agriculture urbaine ? Urbaine. Alors, pourriez-vous préciser votre question, s'il vous plaît? Oui, donc Théodule, si vous pouvez, s'il vous plaît, un peu plus préciser votre question. On va attendre quelques secondes, le temps que vous écrivez dans le chat. L'agriculture urbaine, par exemple. Oui, voilà. Moi, j'ai du mal à comprendre. Notamment sur des surfaces réduites ou communautaires. A-t-on des usages de l'IA sur des surfaces réduites ou communautaires? Serge, est-ce que tu peux répondre à cette question? J'ai envie de vous dire, allez voir dans ChatGPT ou Google pour répondre à cette question. Honnêtement, je ne sais pas en ce qui me concerne. Je suis incapable de répondre. Je sais qu'il y a des projets très originaux d'agriculture urbaine un peu partout dans les grandes villes, du style agriculture verticale sur les murs, du style agriculture en terrasse sur le dernier étage. Je sais même, par exemple, que dans la ville de Monaco, il y a des gens qui construisent des jardins comme ça, suspendus, verticaux, des expériences. Donc, des expériences, il y en a beaucoup sur des micro-parcelles qui utilisent des bouts de bâtiments, soit horizontaux, soit verticaux. Donc, là, je vous invite à aller vérifier sur Internet. Alors, savoir si après, ils optimisent, ils utilisent comment l'IA pour suivre leur récolte, suivre leur production, j'ai aucune idée. C'est peut-être à vous de le faire, à vous d'être pionnier. Ça marche. Là, je pense que on est bon. Du coup, je renouvelle mes remerciements au docteur Epimakova de nous avoir fait l'honneur de votre présence, pour votre présentation très intéressante et enrichissante, et d'avoir pris le temps de répondre aux questions et d'avoir quand même gardé le cap malgré les petits soucis techniques. Ça arrive, hein, c'est, il n'y a aucun souci. Voilà, l'important, c'était qu'on ait pu vous retrouver, que vous ayez pu bien terminer votre présentation sans aucun souci. Donc, merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire qui était le quatrième de l'édition 2023 des webinaires organisés par l'ESTIA et Datum Academy autour de l'intelligence artificielle. Vous recevrez par email dans quelques jours le replay, la présentation au format PDF ainsi qu'une attestation de participation. Le prochain webinaire se tiendra le 2 mai, comme je l'avais dit tout à l'heure, et sera présenté par le docteur Yves-Marie Lebet qui nous parlera de l'IA dans le marketing. Et vous recevrez, tout comme aujourd'hui, le lien vers la salle Teams par email. Merci encore à toutes et à tous et très bon week-end. Surtout avec le 1er mai, donc c'est un jour férié, on va pouvoir se reposer. Merci, Mishkette, à toi Mishkette. Et à très vite. Au revoir, Régule. Oui. Au revoir à tous. Merci à tous. Au revoir.